Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012. Alors, je suis ici pour vous montrer que nous allons aller sur cette map, qui s'appelle la map buggée, sur laquelle nous sommes déjà allés plusieurs fois, pour voir des constructions phénoménales dues à une erreur de moi. J'avais un petit peu merdé, la map étant créée en 1.6, je l'avais ouverte en 1.8, et hier je suis venue ici parce que j'avais une capture d'écran à faire. Pour faire la vidéo en musique du zombie qui brûle, qui cuit. Donc je suis venue là, et puis la map, j'ai eu du mal à l'ouvrir. Ça m'a marqué génération de map. Je dis tiens, comment que ça se fait? Et en fait, sur le coup, j'avais pas capté du tout ce qui s'était passé. Et regarde là derrière ce que tu vois là. Hein? Voilà pourquoi ça avait un petit peu merdé à se mettre en route. Tout simplement parce que la map a buggé, s'est réinitialisée. Et là, voilà, j'ai des monsters. Coucou! Voilà. Ici, j'ai donc un temple sous-marin qui est apparu. Alors, voilà, c'est parce que la map s'est réinitialisée et m'a fait cette petite merveille. Voilà. Alors, on va faire un truc. Je vais aller pétager mon plumard là-bas. Hop, je vais retourner. Dans le temple, nous allons le traverser et je vais aller me suicider. Oh, par contre, pas trop de bruit, hein, s'il vous plaît. Bonjour. Ta mère, elle t'a dit que t'étais moche. Non, elle te l'a pas dit. Ah bah, faut qu'elle te le dise parce qu'à première vue, tu ressembles à ton père ou à ta mère. Hein? Ah, t'es gros nœud, et puis en plus t'as des copains qui sont avec toi. C'est dégueulasse. Ils sont moches. Ils sont moches. Allez, on se tire ailleurs. Bah tiens, on va pas s'embêter à creuser. Ah, le bruit qu'il fait. Oh mais. Ah ben c'est ça alors. Je me disais, j'ai pas vu l'éponge moi dans le temple. Bon bah alors là du coup on a l'éponge qui est dans le temple que je n'avais jamais trouvé encore. Enfin en même temps j'ai pas trop étudié les temples, les temples sous-marins. Vous me connaissez. Vous savez très bien que je ne suis point capable de cela. Bon Orphéa, on a dit qu'on faisait une vidéo en vitesse. Il y a des Smarties qui m'attendent, alors voilà. Au revoir, au revoir, au revoir. Oh, ressuscité. Où c'est que je vais atterrir? Merde, j'arrive directement dans mon point de spawn. Oh, c'est pas drôle. Ah non, c'est pas drôle. J'avais fait dodo pourtant. Eh ben, la map s'est tellement bien réinitialisée que j'ai même perdu mon point de spawn. Que j'avais fait dans mon plumard la dernière fois. Voilà. Ah, chpine dégueuté. Estoy dégotado. Hein? Yam verte. Oh merde! C'était pas ça le but du jeu. Oh là 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 là. Bon, bah alors, du coup, voilà, nous sommes bien sur la map buggée. Et sur cette map buggée, il n'y a plus trace d'Orphéon. Oh, c'était pas ça le but du jeu de la vidéo du jour. Enfin, on a quand même vu l'éponge du temple sous-marin. Chose que je n'avais jamais fait. Et on a entendu le cri du monstre sous-marin.
Bon, alors là, on voit bien que la map, elle est redevenue normale. Nous n'avons pas d'arbres étranges. Nous n'avons pas de choses. Oh, pardon, excusez-moi. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Là, à la limite, nous avons une chute de lave que je ne vois plus. Voilà. Là, ici, à la limite, on a encore quelque chose qui merdouille, mais c'est tout, quoi. C'est pas grotesque, quoi. Mais tu vois, moi je suis un petit peu triste d'avoir perdu ma map buggée. Parce que je pense que je vais en refaire une. Recréer une map en 1.6. Et pour avoir des bugs, parce que sérieusement, c'était trop génial. On se baladera sur une map en 1.6 et d'un coup je l'ouvrirai en 1.8 et puis on fera tada! Parce que là en plus je reconnais plus rien du tout, elle a vraiment été réinitialisée. Donc voilà. Oh! Puis là normalement j'aurais donc dû me réveiller dans un. Oh, regarde, c'est beau. Et il y a quand même des endroits qui sont un petit peu space, hein, parce que là, c'est pas très commun quand même. Waouh. Attends, on va aller voir là-bas. Parce que là, ça, c'est beau. C'est dans un endroit comme ça que j'ai fait cuire un zombie. Un zombie. Mais c'est beau quand même, hein, mais on n'est pas au niveau des bugs d'avant, quoi. Le pire, c'est que j'ai dit, ah, il faut vite que je me dépêche de faire la vidéo avant que la map, elle marche plus. Ah bah là oui on a un gros bug. Ok. Mais j'aurais aimé retrouver un signe de vie de me. Il n'y a pas. Suis désolée. Hein. Je suis encore malade. Un jour il fait 35 degrés à l'ombre. Et le lendemain, là aujourd'hui, il doit faire 12. Donc bon. À force, ça va plus. Me revoilà. J'avais fait une petite coupure afin de m'éclaircir un tantinet la voix. Achetez au peu, hein, comme on dit. Et puis ben, j'ai un petit peu avancé pendant ce temps-là pour voir un petit peu si je trouvais des trucs de ouf. Ou si je trouvais un signe de vie de moi. Mais là, y a rien qui me dit rien. Donc, je pense pas être déjà venu dans ce coin-là. En attendant, je suis quand même revenu pile au point de spawn d'origine. Waouh, regarde-moi ça, qui est beau. Moi, j'aime bien. Hop là. Je suis revenu quand même au point d'origine du début de mon aventure. Donc, voilà. C'est bien, mais c'est tout. Alors, au passage, on va discuter 5 minutes le temps que je me promène un petit peu sur cette map. Petit 1, je n'ai pas de Xbox. Vous avez été plusieurs à me demander si j'avais un compte Xbox pour jouer avec eux. Je n'ai pas de console de jeu. Moi, à part mon PC, j'avais pas de console de jeu. On avait une PlayStation 2, 3 aussi. Mais. Elle a décédé. Alors du coup, maintenant, on n'a plus rien. Mais on n'est que sur PC, Marc et moi. Voilà. Attends, je continue un petit peu. Ah oui. Dis donc, on trouve pas un seul village de PNJ. C'est ça qui m'inquiète un peu. Enfin, m'inquiète, façon de parler quand même. Que voulais-je dire d'autre? Oui, vous m'avez donc demandé si avec Marc, ça faisait vraiment 16 ans qu'on était ensemble, car nous faisons notre aventure, notre défi construction en amoureux. Et oui, ça fait vraiment 16 ans.
C'est pas des blagues, on fait pas ça histoire de rigoler pour vous faire marcher. Attends, c'est grandiose ça. Waouh, la vache! Gigantesque! Oui, on fait pas ça histoire de faire genre, hein. On est vraiment ensemble depuis 16 ans, c'est pas des blagues. Hop là! C'est pour ça, quand je dis que j'ai deux enfants, il y en a qui me disent: Oh, c'est pas vrai, t'as pas deux enfants. Si, si, j'ai vraiment deux enfants, mais en 16 ans de vie commune, on a fait plein de choses. Ah, je me demandais, c'était quoi? Elle était bizarre, cette vache. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, et tu sais quoi? On va faire un truc. On va visiter la grotte géante qui est en dessous. Allez, ouais, bon, d'accord, allez, bon, c'est pas ce que tu veux, hein. Bon, et ben moi, je me mange un petit Smarties et puis je tourne tout de suite la vidéo qui suit, faire une petite balade dans la grotte qui est en dessous. Et puis, ben, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour les questions que vous me posez une fois de temps en temps, et puis pour vos propositions de jouer avec vous, mais sur console, c'est absolument pas possible. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour la suite. A plus tout le monde.